Et salut les zouzous, c'est pour qu'on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. On se retrouve ici dans le Nether, puisque après vous avoir quitté, j'ai fait des recherches, mais là on n'est pas le même jour. On se retrouve quelques jours après le tournage des précédents épisodes. Après vous avoir quitté, j'ai fait quelques recherches, et comme vous voyez, je suis parti à 354 blocs de l'autre côté, comme je vous l'avais dit, du portail. Et là, juste ici, sur la map, j'ai vu des traits. Et ça s'avère que c'est tout simplement une forteresse. Et c'est ça qui est cool. Donc aujourd'hui, encore un épisode Nether. Mais j'espère cette fois-ci avoir de la Nether Wart pour pouvoir rentrer tout simplement. Et puis voilà. Entre deux, j'avais été me restuff, me ranger mes coffres, etc. Donc sur moi, j'ai vraiment ce qui est utile. Disons, j'ai l'arc, j'ai une pelle, j'ai des blocs. Quelques blocs parce que j'en ai utilisé pour parvenir ici, mais j'en ai encore dans mon sac à dos. Tout simplement, je vais baisser un peu juste le son, si vous me permettez. Voilà, de ça je vire, et puis le son un peu, voilà. Voilà, j'ai pris ce qu'il me fallait vraiment pour pouvoir rentrer, enfin pour pouvoir explorer tout simplement. Donc, on a la forteresse, j'ai mis un waypoint orange déjà pour pouvoir me retrouver, puisque je savais pas si... j'allais faire ici, juste ici, je savais pas si j'allais faire la route tout simplement avec vous de la base jusqu'à ici, et puis ou alors de tout simplement, ou alors de commencer d'ici, et puis après réflexion j'ai décidé de tout simplement partir d'ici, puisque je venais juste de trouver la forteresse. Donc c'est parti. Qu'elle a une tête ou pas? Non, on va en dessous, j'aimerais bien la voir. Est-ce que tu penses que c'est possible? Il loot pas de tête, mais bref, cette forteresse a l'air un peu mieux que la précédente, qui est la souterraine, qui était un bug de génération. 3 wither squelettes, il n'y en a pas un qui va mousser une tête. Ah, attendez. Yes, une tête de wither squelette. Très bien. Je vais la mettre dans mon sac à dos très rapidement. Enfin, c'est pour faire l'objectif, tuer le Wither. Ah, c'est cool, franchement, j'ai de la chance. C'est ça qui est cool. Est-ce que l'épée, cette épée, comme c'est une épée d'un mode, augmente le taux de chance d'avoir une tête? Je ne sais pas. Bon, on va remonter. On va passer par ici. Hop. Et hop. La dernière fois, j'avais des petits soucis de lag, mais c'est parce que c'est à cause du disque dur qui commençait à se remplir, tout simplement. Donc j'ai changé un peu la redirection des vidéos qui vont dans l'autre disque dur. Donc c'est très bien comme ça. Bon, des trucs comme ça, j'en avais récupéré aussi la dernière fois en chemin, mais là je les récupère plus parce que j'en ai vraiment énormément. Je me suis pas encore renseigné comment on obtenait Attendez, parce que là je suis en mauvaise position si je tombe. Voilà. Comment on obtenait les trucs qui permettaient de faire les armures. Donc c'était Fire, voilà, c'était ces armures là, les Hillstones. Je me suis pas renseigné comment les obtenir. D'ailleurs, peut-être si je fais ça, je peux pas savoir si je fais Hillstone. Je peux pas savoir, bon tant pis. Donc on va explorer la forteresse tranquille, encore une forteresse, troisième épisode Nether, mais c'est le dernier normalement. Sauf si à l'avenir je rajoute un mode qui me permettrait de trouver autre chose. Pareil, y'a rien. Il me permet de trouver autre chose avec un rajout du Nether, mais sachant que j'ai déjà généré, je pense que ça va pas être faisable. Après, c'est à voir. Bon, j'ai des petits lags parfois, des petits freeze, mais c'est léger. Alors, pas ici, normalement il y a un escalier, non? Il n'y a pas d'escalier, non? Il y a des coffres, je sais pas s'il y a des coffres, je crois pas. Je l'avais dit la dernière fois, je crois pas en 1.6.4, je crois que c'était en 1.7 quoi que ça venait. Alors par là, il y a rien. Bon, la forteresse a l'air vraiment assez grande. Attendez, je crois que je vois les Nether Wart juste en face derrière ce mur. Sur la mini carte, sur la mini map, on va aller en face. Hein, que ce soit seulement que ce soit en dessous, peut-être. Non, c'est pas là. Bon. Ah bah c'est là. Voilà, c'est parfait. Oula. On va sortir les torches simplement pour éclairer le spawner.
j'étais juste simplement concentré. Bon écoutez, on va te casser, il y en a un des spawners. Voilà. Ça nous fait un peu de level, mine de rien 42 level. Ça prouve. Attendez, je peux parler trop vite. J'allais dire ça prouve un certain niveau, au niveau du PVE, mais je vais pas, j'ai évité de parler trop rapidement. Voilà, c'est parfait. Bon, c'est bon, j'ai pas perdu trop de cœur. Bon, ah oui, quand même, mais bon. Excusez-moi, il y a l'église qui sonne, je fais juste une petite ellipse tant qu'à. Non, c'est bon, ok, c'est bon. J'espère que vous l'avez pas entendu, puisque vous l'avez entendu, c'est pas trop grave. Écoutez, ça me fera penser au live de Julien S3 que j'avais fait avec lui, qui s'appelle En attendant Feed the Patrick, où j'avais l'église qui sonnait à la fin. Attends, est-ce qu'on va avoir une tête? Oh, par contre, c'est très dangereux. J'ai failli mourir, est-ce que je vais mourir ou pas? 3, oula, 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 oula. J'aime pas ça. C'est bon. Ça va, on panique pas. On régène tranquillement en marchant par ici. Du coup, ouais, je disais, j'avais vu la salle. Mais apparemment, non, c'était pas là. C'est bien là, hein. Je vais sur le point, écoutez. Je vais sur le point de où j'étais. Parce que pour moi, c'était là, en fait. Mais attendez, je vais agrandir un peu. Il me semble que c'est le champignon que je vois. À moins que ça soit plus bas, mais ça m'étonnerait. Ah bah oui, il y a un étage. Il y a un étage en dessous. Bah écoutez, YOLO. YOLO. Là-bas, il y a encore des bouseurs squelettes. Pigmen. Il y a un peu de lave. J'aime beaucoup, je vais prendre des blocs à disposition. Très bien. On va manger, il me faut mes steaks, je vais virer la pelle pour le moment, parce que de toute façon je n'en ai pas besoin, je l'avais crafté pour récupérer de la soupe saine, mais j'en ai pas clairement besoin. Bref, mon objectif de cet épisode c'est vraiment de trouver la la Nether Rack pour pouvoir faire les potions. Mais je suis content, j'ai une tête de Wither, franchement c'est cool. Bah c'est dangereux ici hein. Tac tac tac. Et puis voilà, puis on va faire le tour comme ça. Puis là, on va faire ça, hop, pour dire ne va pas par là. Oula, il y a trop de Wither Skeleton, et là-bas, il y a des Blaze, et là, je vois. Non, voilà, il y en a 3. Est-ce qu'on va avoir une tête? Allez, alors un de mort, deux de mort, on n'a pas de tête, ça a l'air, c'est vraiment aléatoire. Il y en a un autre là-bas, et là-bas, il y a un spawner à Blaze, on va se dépêcher de casser. Franchement rapidement. Viens toi. Allez toi viens. C'est bon. Non, pas de tête. Bon, on n'aura qu'une tête. Mais après je pourrais venir avec une épée looting et puis voilà. Hein. Ah bah voilà, de toute façon la prochaine fois que je reviendrai dans les heures, c'est vraiment pour. J'ai cassé le spawner, je me réveille. C'est vraiment pour, pour avoir les têtes du Wither, les trois têtes tout simplement, puis je le ferai avec vous tout simplement pour pas qu'on crie tout simplement. J'allais sauter dans la lave et je vais dire je sais pas combien de fois tout simplement pour pas qu'on crie au give, puisque de toute façon j'ai envie de faire ça la légite. Écoutez, ce sera le premier Wither sur ma chaîne de disponible. Ça sera un des très rares Wither que j'ai déjà fait auparavant sur ma vie de Minecraftien. Et puis là, comme c'est modé, franchement, ça s'avère plutôt cool. C'est par là que je viens, écoutez. Bon, bah, je vais remonter ici. Hein. Je trouve pas du tout la Nether Wart, mais la forteresse est pourtant très grande. Le problème, c'est qu'en fait, je me repère pas. Alors, je mettrais des torches, je pourrais me repérer. Voilà, je mets une torche là. Là, je sais que j'ai été par là. Là, je sais qu'il y a la lave, donc je barre. Quoique, il y a peut-être un accès par là intéressant. Voilà, je vais faire ça par histoire pas que vous vous ennuyez. De toute façon, je suis en comblé de commentaires pendant ce temps-là. J'aurais pu faire un accéléré, j'aurais pu faire quelque chose, mais j'ai vraiment envie dans cette série d'être près de vous. Et donc, tout simplement, je me permets de ne pas faire d'ellipse pour le moment. Par contre, là, ça craint. Voilà, là. Par contre, là, ça craint énormément. Là, il y a des blesses qu'on spawn juste ici. C'est un peu craignos. Ouais, je vais pas mourir, je vais éviter de mourir, écoutez. Je vais passer par là. Hop,
Hop. C'est bon, on est passé. J'espère que juste pas avoir de la lave au-dessus de moi, sinon je suis dans le caca tout simplement. Les amis. Donc ça c'est ma deuxième pioche que l'autre avait cassée, donc. Mais franchement assez efficace ces outils en. Bah ces outils en rugby. Hop, on va manger. Faire de régène. Là je suis au niveau des. Je suis vraiment à côté d'eux là, je l'entends. Ah là ils sont là. Et d'ailleurs je sais pas ce qu'ils foutent ici eux. Est-ce que je peux les brain genre descendre là, bim. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes mais il y en a beaucoup moins, il n'en reste plus qu'un. Ils ont dû despawn. Hop, je fonce dessus. Ah oui en fait c'est les mêmes, ok on se casse, j'ai des brains, c'est bon. Bon, par là y'a rien non plus. J'ai peut-être pas pris assez de blocs par contre. Hop, du coup je me suis fait des blazards en plus, 4 ça fait plaisir. Donc la dernière fois c'est vraiment à rien que je les farm. On va aller par là. Dans ce grand couloir. Tac, allez on avance. Et là on s'arrête, et là il y a quoi? Ah, ça a l'air d'être la fin de la forteresse. Si vraiment je suis tombé sur deux forteresses sans Nether Ward, franchement, je suis vraiment le mec le plus malchanceux au monde dans le Nether. Ou alors c'est moi qui cherche mal, je sais pas, mais c'est possible aussi. Hein. Donc pas là y'a rien. Bon là on peut fermer, hein, je suppose, oui là on peut fermer. Tac, là on ferme. Par là l'étage. Y'a quoi? Ah c'est l'étage, bon, on va essayer de fouiller l'étage. Et normalement, si je me rappelle bien, c'est en bas les Nether Wart. Hein. Là y'a rien du tout. Oh my god. J'ai mis clic en fait, je voulais pas faire ça. Pff, oh là là, j'ai de la chance vraiment. Du coup, les Nether Wart. Où est-ce qu'elles sont? Écoute, on va remonter ici. Attends, je suis monté ici tout à l'heure. Bon, du coup, hop. J'arrive pas à voir, même sur la carte, je peux pas voir où sont les. Je vois mes blocs de cobble, mais je vois pas où sont les trucs. Ok, je suis remonté. J'ai vraiment eu de la chance sur le coup. Bon, par là, du coup, y a rien. Hop. Par là. J'ai pas été par là non plus. En fait, ils sont vraiment générés bizarrement, ces forteresses. Et bim. Hop, j'ai vraiment de la chance, je m'en sors bien. Mais j'ai pas de chance au niveau des Nether Wart, c'est ça qui m'embête le plus. Écoutez, c'est ici que je suis monté tout à l'heure. À l'étage, y'a rien non plus. La mince alors. J'ai fait vraiment tout le tour, quoi. Enfin, peut-être pas tout le tour, mais. En fait, c'est vraiment grand comme structure. J'ai pas l'habitude d'en visiter, et du coup, ça arrive que je me perds. Bon, pareil, rien, ça c'est des plombs cassés. Pareil, rien. Et là, c'est des structures qui se rejoignent. Ouais, ça va poser problème. Je voulais regarder avec Optifine là-bas, mais j'ai pas Optifine. Bon, le gaz, on va te brain. Je fais une ellipse, le temps de fouiller, continuer à fouiller et on se retrouve après. Bon bah écoutez les amis, je vous retrouve là juste après. J'ai fait tout le tour de la forteresse, mais vraiment en long, en large, en travers. Petite sœur, comme dirait le chanteur, je ne sais plus qui. Enfin bref. Et j'ai rien trouvé, pas de la Nether Wart, que dalle.
Je suis vraiment pas chanceux du tout sur le coup, puisque même les mecs plus moins chanceux que moi auraient trouvé des forteresses avec de la Netherwart, et c'est la deuxième forteresse que je suis en train d'explorer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une courte ellipse, et je vais essayer de retrouver une forteresse, tout simplement. Bah, je vais essayer de retrouver une pour pouvoir vous trouver la Netherwart. Merci à tous. Ok, donc on se retrouve. Donc, je suis parti de ma forteresse là-bas, et j'ai trouvé ici sur la carte. Donc, maintenant, faut que j'arrive à y accéder. Ça va être une autre. Attendez, il y a la cobble là. Oh non, je suis déjà venu. What the fuck? En fait, c'est la suite de la forteresse là-bas. D'accord. Bon, bah, on se retrouve alors. Je vais essayer d'en trouver une autre. Je vais aller par là, on verra bien. Tout de suite. Ok les amis, donc on se retrouve, j'ai encore trouvé une forteresse, une troisième. Troisième ou quatrième, je ne sais plus. La forteresse 2, il y a forteresse. Ouais, c'est ça, troisième. Donc j'espère cette fois-ci que c'est la bonne. On dit jamais, jamais 203, mais j'espère que là ça sera pas le cas, ça sera tout simplement juste 3 tout court. J'espère tout simplement qu'on aura de quoi faire des potions. Donc la Netherwart, maudite Netherwart, qui nous en aura fait baver tout simplement. Bon, je prends des blocs. Excusez-moi, j'ai un truc qui vient de s'apparaître, j'espère que vous allez pas le voir. C'est Steam, tout simplement. Normalement, non, mais. Depuis quand Steam me met des annonces pour savoir qui est-ce qui joue à tel jeu? D'ailleurs, en ce moment, je suis beaucoup sur Garry's Mod. Donc, peut-être que je vous proposerai des vidéos sur ce jeu à l'avenir. Mais pour le moment, ça reste encore du Minecraft, ma chaîne. Même si j'ai un autre projet en tête qui viendra très bientôt. Donc, voilà. Côté, on va monter. Bon, je vais essayer de trouver très vite la Netherwart histoire de pas vous faire, s'il y en a d'ailleurs, vous faire plus patienter puisque je sais que ça va être un peu chiant, excusez-moi du terme, trois épisodes Nether comme ça, fouiller des forteresses pour enfin trouver de la Netherwart, mais c'est une phase importante dans mon aventure, tout simplement dans mon aventure The Challenge Craft, donc j'espère simplement que ça va pas trop vous poser de problème. Bon, je suis arrivé là, donc c'est parti, les amis, nous allons y arriver. Pour trouver la Netherwart, il faut aller vers les souterrains. Donc, y a-t-il quelque part où aller pour descendre? Là, ça craint ici, hein. Ouais, ça craint vachement, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je crois que j'ai encore de la cobble, mais j'utilise ces blocs puisque ça, je vais en avoir en masse, et je sais pas si on peut en faire quelque chose avec Shizel. Donc voilà. Hop. J'ai pas mis un point d'ailleurs, je vais mettre un point. Forteresse 3. Voilà. C'est parfait, un point. C'est parfait. Est-ce que je le fais ou pas? Oui, je le fais. On est chaud, on est chaud, on est chaud. Mais pas trop non plus. En plus, j'ai plus beaucoup de nourriture. Et j'aimerais bien rentrer en vie. Ça serait sympathique. J'essaie d'économiser mon steak à fond. Et en plus, j'ai pas pris de bois sur moi. J'ai regardé dans mon sac à dos tout à l'heure. J'ai pas de bois sur moi pour faire des soupes. Ça, c'est malheureux, franchement. C'est très triste. Bah, attendez, je vais éviter de courir et sprinter comme un tarde. Non. On va essayer de descendre, hein. Par contre, ça va être un peu embêtant pour vous, donc je sprint un peu quand même. Je vais manger le steak maintenant. Je sacrifie ce malheureux steak, dernier qui me reste. Et c'est là que je vais prendre mon temps. Histoire que la bouffe ne descende pas trop. Ça et maintenant le laser, ça me fait plus peur. Après The Prisoner, franchement, il en faut pour tous les goûts, hein. Il en faut. Allez, venez-vous. Essayez de pas me tuer, s'il vous plaît. Allez, un coup. Un coup. Une tête. Allez.
Je sais pas ce que j'ai pas vu ce qui est tombé hein. Non, du charbon, une épée. J'ai pas de tête hein. Ah on peut pas tout espérer, tout à l'heure j'ai de la chance, mais là. Voilà, oh, j'aime pas ça. Ça te saute dessus comme ça. Je peux pas espérer avoir de la chance à tous les coups. Oh les gens. Oh les gens. J'ai de quoi faire. Ah bah non. Je veux dire, j'ai de quoi faire de la fire résistance si je loot une magma crime. Mais déjà, j'en ai pas loot et de deux, j'ai pas les potions. Enfin, les potions d'eau. Donc, d'ailleurs, ça serait un truc à prendre, à penser à prendre dans mon backpack avant d'aller dans le nether. Tombe. Désolé, hein. C'est juste que voilà. Bon, je vais peut-être me mettre au bord comme ça parce que. C'est juste que j'ai pas envie trop de mourir. Donc, je te fais tomber. T'aurais pu me loot une tête. On va descendre ici là-dedans. On va descendre là-dedans, écoutez. Et sinon c'est pas comme ça que je vais trouver la Nether World. Voilà, ça descend ici. C'est parfait. Allez, on continue à descendre. J'aime bien les escaliers qui descendent comme ça généralement, puisque ça. Qui veut dire escalier qui descend comme ça veut dire Nether World. Ça descend encore là-bas, je crois. Hein. Non, ça descend pas. On va tourner ici. Au revoir. Merci, bienvenue. Il m'a touché quand même l'enfoiré. Ça va, j'ai perdu 3 cœurs. Oh. Alléluia. Alléluia. Maître Pygmen, excusez-moi monsieur, mais j'ai fait cette longue quête tout simplement pour récupérer ce qui vous appartient, mais voilà. Non pas votre épée. Je vous laisse votre épée, mais je prends la Netherwart. La Netherwart enfin, je mets tout dans mon backpack et après je continue un peu à visiter et puis après je go maison très vite. Donc oh là là, ça commence pas commencer à laguer maintenant. Et lui il est mort. Il y a vraiment pas de coffre dans cette forteresse, c'est vraiment un film. Hein. Suffisait de demander pour avoir un coffre. Je vais mourir. Rip. Je repasserai plus tard ici pour venir chercher les coffres. Hein. Écoutez. Il me reste 3 cœurs. Je vais prendre la précaution de rentrer avec la Netherwart. Je ne veux pas mourir. Vous m'avez entendu? Je ne veux pas mourir. Voilà, 3 cœurs. Et j'ai pas de bouffe, j'ai rien. Ok, on remonte. Remonte, je repasserai ici pour venir chercher les coffres, écoutez. Et je vous dirai à peu près ce que j'ai récupéré, écoutez. Puisque... Ça craint énormément, là. Ça craint du pâtel. Faut très vite que je retourne à la maison avec 3 cœurs. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 3 cœurs dans le nether hein? Bon, donc je suis pas UHC, ça fait longtemps que je serais déjà mort. Mais par contre, j'aimerais bien pas mourir de faim aussi. J'espère qu'il n'y a pas de pigmen derrière la maison. Parce que je perds beaucoup de level si je meurs et ça m'embêterait. Et là, il y a un spawner à blé juste, au-dessus de moi, c'est pas ça. Et je suis sorti de la forteresse. Par contre, faut que j'arrive à trouver le portail qui a 600 blocs. Ça va pas être une mince affaire. J'espère juste ne pas tomber sur des ghasts au passage. Hop. Je suis toujours dans la forteresse et j'entends un ghast. Je suis paniqué, franchement, je suis. Oh là là, il est là. On va essayer de l'abattre. J'ai raté alors qu'il était juste à ma portée, quoi. Et pour moi, ça tire tout seul. J'ai pas voulu cliquer. Bon, écoutez, hein. On va faire un truc comme ça, je vais jouer la sécurité, je reprends tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Écoutez les amis, je m'approche doucement, je suis à 610 blocs et je vais faire quelque chose de très risqué. Je vais couper par la forteresse. Et je peux plus sprinter, je suis dans la merde. Ok, je viens de me faire tuer par un wither squeletton. J'ai vraiment le seum, énormément. Donc je vais aller récupérer mon stuff. Pour cela, faut que je me restuff très vite et je reprends tout à l'heure. Ok, je vous reprends parce que je m'étais restuff et puis je me rapproche tout doucement, je suis à 200 et quelques blocs, je reprends tout à l'heure.
Ok les amis, donc je crois avoir trouvé la pierre bizarre là. Donc je vais mettre un waypoint ici. Earth, c'est un truc genre Hearthstone ça s'appelait. Donc voilà, donc on ira voir ça après quand on aura une pioche en fer. Allez, à tout à l'heure. J'étais en train de me retrouver simplement à la forteresse. Et là je montais et tout, j'escaladais, il y a un gaz qui m'a tiré dessus, j'ai vraiment le seum. Ok, j'ai réussi à revenir au point. J'ai tué le ghast et tout là. Oh, je suis tombé de là en fait, donc j'ai un peu le seum. Attends, faut que je retrouve mon stuff dans la forteresse. Ce qui va poser un problème, je pense. Donc là, je remonte, j'espère pas me faire tuer par un ghast. En plus, j'avais réussi à aller ici assez facilement. Voilà, donc mon stuff. Ah oui, il est là. Oh, c'est cool. Oh là là, mon stuff. Attends, on le prend. On se change parce que ça, c'est plus... C'est... plus résistant. Par contre, j'ai pas tout, par contre. Ouais, par contre, malheureusement, je n'ai pas tout récupéré dans la bataille. Mon fils, ma bataille. Écoutez, j'ai récupéré avec mon casque, j'ai pas récupéré mon épée, j'ai récupéré ma hache. Ça peut faire l'affaire, ça va être meilleur qu'une épée voilà, c'est meilleur qu'une épée comme ça. J'ai récupéré mon sac, ça c'est le plus important. Franchement, le stuff c'est pas grave, je m'en fiche franchement. Je le referai. J'ai récupéré avec ce level, du coup ça en met 40 niveaux. J'ai perdu mes 40 niveaux, mais au moins j'ai pas perdu le plus important. Donc je vais retourner à la maison et puis je vous retrouve. Allez, à tout de suite. Juste avant de retourner à la maison, on va essayer de prendre ça avec ma pioche en rubis, tout simplement. C'est où? Ah, c'est là. Ah, il m'énerve les ghasts aujourd'hui. Hein. J'ai un meilleur arc, ouais. J'ai un meilleur arc et j'ai 30 flèches. Ok, il est parti sous la lave, le truc. J'ai les vis qui sonne, c'est génial. Ah, c'est ça. Le ghast, vous m'avez saoulé les gars, voilà. Et maintenant je retourne à la maison, donc et pour ça pourra conclure l'épisode. Ok, donc du coup re tout le monde, bah on se retrouve après ce long périple où j'ai perdu un peu de stuff, mais l'avantage c'est que tout simplement j'ai pu récupérer une tête de wither et les nether wart dont j'avais besoin. Donc ça c'est juste parfait, on va pouvoir se faire des potions et retourner dans le nether une prochaine fois pour farmer le wither, et j'y retournerai bien sûr hors caméra pour aller récupérer les coffres aussi, ou alors on se retrouvera juste devant la forteresse et on la fouillera une prochaine fois. Non, je vais aller faire ça directement hors caméra, tiens, je vais aller faire ça hors caméra et je vais mettre un coffre juste ici ou dans mon sac et je vais vous dire ce que j'ai récupéré. Je vais d'ailleurs ranger un peu tout mon stuff et me recrafter un stuff en rubis parce que j'ai perdu du stuff, mais bon voilà quoi, ça vaut le coup, j'ai quand même récupéré tout ça, c'est vraiment cool. Donc on va dormir et on va se laisser là pour cet épisode, excusez-moi j'arrive plus à parler. Donc voilà, merci à tous, likez, commentez, partagez. Allez, à la prochaine pour l'épisode 14.